So, guten Abend, meine Damen und Herren. Was für ein fantastischer Empfang für Professor Mukwege. Als Sie vorher gejubelt haben, mir selber ist das Herz aufgegangen. Herzlichen Dank dafür. Wir haben großes Glück, dass wir ihn heute hierher nach Bonn holen konnten und er uns über seine Arbeit erzählen kann. Ich möchte jetzt, damit alles verstehen und er am Ende auch, ein bisschen Englisch sprechen und dann nachher etwas Französisch noch, wenn Sie mir das erlauben, aber hauptsächlich Englisch. Und wir werden auch diese Einführungsworte nachher in Englisch haben. So, dear Professor Mukwege, it is great that you're visiting us and that we have you here. It was a pleasure to talk to you this afternoon with our colleagues about our potential cooperation that we're going to start next year. And we feel very honored to have you here and to hear about your work. So the discussions this afternoon made us very sad, right? Because this topic of using rape as a weapon of war is so cruel and so bad and so emotional that it's really, it takes some time to go back to normal in a way and discuss about projects and research. And I'm still very touched about this. Also to hear what we knew, that this is not only happening in Congo, but it's happening at many sites in the world. In fact, you were talking about 20 or so locations, 20 nations, where you have investigated a very similar behavior. This is really, really sad. At the same time, there is hope. There is hope. Because there's people like Professor Mukwege, who basically are fighting against this as human activists of human rights, rights for women. And he's done this for decades, for many years. The Panze Institute, a model institute, where he has tried to really help women in all the different phases of their life, which is very difficult. And it's through this enthusiasm and being a pioneer in this area that he was awarded not only the Alternative Nobel Prize in 2013, but also the Nobel Prize of Peace last year in 2018. And I'm very proud that basically the committee has selected you and very happy. And it is, again, a great pleasure to have you here in Bonn. Thank you. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université de Bonn. Professor Borgermeister, my colleague, he will introduce your curriculum vitae and give you a little bit of more background information. So thank you again for being here. I'll hand over to Professor Borgermeister. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen, dear colleagues. It's a great honor to welcome you all tonight to this special lecture of Dr. Denis Mukwege from Bukavu in the Democratic Republic of Congo. As our rector already mentioned, Dr. Mukwege is a gynecologist working in the war-torn region of Kivu in DRC. As the chief surgeon of Panzi Hospital, he and his colleagues have treated more than 50,000 rape victims, developing great expertise in the development of very serious gynecological injuries. Dr. Denis Mukwege studied medicine in Burundi and started practicing at the Christian Hospital at Lemera in South Kivu in eastern DRC, but soon left to complete his studies in France. He returned to Lemera in 1989
and fostered the rural hospital to become a training unit of the young and nascent medical faculty of the African Evangelical University, or UEA, in Bukavu. Sadly, Lemera Hospital was destroyed during the Great Congolese War in 1996. Soon afterwards, Dr. Mukwege and his team founded the Panzi Hospital in the Panzi neighborhood of Bukavu, next to the UEA campus, where he became chief medical officer and clinical vice dean of UEA's nascent medical faculty. From 1999 onwards, Dr. Mukwege began to see a new level of extreme, cruel, sexualized violence, primarily targeting women in Eastern DRC. And to date, he and his team have treated around 50,000 victims of such sexual violence. Dr. Mukwege himself sees 20 patients on average each day, of which 7 to 10 suffer from health issues and injuries due to sexual violence, often leading to a subsequent HIV infection. Compared to other medical conditions treated at the hospital, these cause the biggest psychological and surgical challenges, not to mention the devastating social stigma these women often face afterwards in their communities. Dr. Dennis Mukwege never shied away addressing these issues in public, clearly and unmistakably pinpointing at the perpetrators of these atrocities. In 2012, following a speech at the UN, he was attacked by armed men in his house in Bukavu. The incidents resulted in the tragic death of his colleague, Joseph Bizimana. After a brief exile in Europe and urged by numerous women's group in Eastern DRC, Dr. Mukwege triumphantly returned to Bukavu in early 2013, and since then has been working non-stop and continuously in Panzi Hospital. To list the honors, and the rector already mentioned a couple of them, that Dennis Mukwege has received for his work in DRC would take up the rest of the evening here. Let me just name a couple of them. He received the Right Livelihood Award in 2002, often also referred to as the alternative Nobel Prize. The UN Human Rights Prize in 2008, the Olof Palme Prize in 2009, the King Bonoin International Development Prize in 2011, and of course, in 2018, together with Nadia Murad, the Nobel Peace Prize. We are extremely honored by his visit to Bonn and look forward to a very fruitful collaboration of the University of Bonn with the Center of Excellence Dennis Mukwege in Bukavu, as well as with the University UEA in Bukavu. The floor is yours, Dr. Mukwege, s'il vous plaît. Merci. 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 Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, pour moi c'est un grand honneur ce soir de pouvoir vous présenter le modèle holistique des Panzi. Je tiens à remercier les recteurs et les corps académiques de nous avoir autorisé de partager notre expérience avec vous. Thank you very much, Mr. Director, ladies and gentlemen. Thank you to all of you of the academic corps. Thank dear students, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to be able to have the opportunity to present the holistic model of assistance at Panzi. Thank you, at Panzi. Thank you very much. L'hôpital de Panzi a été créé en 1999. Et à cette époque, lorsque l'hôpital avait été créé,
nous avions tout simplement un objectif, c'était de lutter contre la mortalité maternelle. The Panzi Hospital was founded in 1999, and when we founded it, we had one aim, is to fight the premature death of women. Là, en République démocratique du Congo, nous avons un taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés de la planète. Women's mortality was rated at was at the highest rate or among the highest rates worldwide. So we had to do something about it. Malheureusement, au lieu de s'occuper des victimes de la mortalité maternelle, quand on a ouvert l'hôpital, la première victime que nous avions soignée, elle n'était pas venue pour accoucher, mais elle était venue puisqu'elle était violée avec une extrême violence. Unfortunately, the first victim that we treated was not a woman who wanted to give birth to a child. It was a victim of extreme sexual violence. Et aujourd'hui, nous traitons environ 5 à 7 femmes survivantes victimes de violences sexuelles par jour. Today we treat about 5 to 7 women survivors of sexual violence per day. Pendant les 20 ans, nous avons traité à peu près 55 000 victimes de violences sexuelles maintenant. We have treated now about 55,000 victims. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que nous observons le nombre d'enfants qui augmente. Et là, vous pouvez voir que c'était 3% en 2008 et 2017, les enfants de moins de 10 ans représentent 6% des victimes que nous soignons. One fact that we have to observe is that the number of kids, of minors that suffer, that become victims, is increasing. In 2008, there were 3% of them, while today they make up 6% already under the age of 10. Nous avions été inquiétés par ces viols, et qui sont des viols avec une extrême violence, que nous avons pu publier pour la première fois pour avertir le monde scientifique d'une nouvelle pathologie au Sud Kivu, puisque le premier cas que j'avais observé, c'était en 1999, alors que j'étais gynécologue obstétricien dans la région pendant plusieurs années, et nous avons prévenu sur cette nouvelle pathologie qui est le viol avec extrême violence. We discovered that rape with extreme violence was a new phenomenon, and we could publish in an article that pointed to this fact. When I was a gynecologist, we pointed to this phenomenon and have paid attention to it since. En fait, pourquoi nous les appelons, nous les considérons comme une arme, une stratégie de guerre? C'est puisque d'abord, ces viols sont méthodiques. Why do we even call these rapes weapons? Because they are methodologically carried out, first of all. Ce sont des viols qui sont souvent collectifs. Ce sont des viols qui se commettent en public. Malheureusement, ces viols se font suivre par des tortures qui diffèrent d'un groupe armé à un autre. First of all, we realize that these are gang rapes. They are carried out in public. They are often, they go along with tortures and torturing and develop into sexual slavery. Ces tortures peuvent être l'introduction des objets dans l'appareil génital des femmes. Ça peut être des femmes que nous avons reçues et qui ont eu des balles tirées au niveau de l'appareil génital, ou alors l'appareil génital brûlé après avoir été violé. So these the rape can take various forms. It can either be carried out by introducing things, objects into the genital parts, or by bullets being fired, or even by burning the genital parts of women. Souvent, les plus jeunes subissent l'esclavage sexuel. Elles sont amenées en brousse et n'y reviennent que
lorsqu'elles sont enceintes. And many of those women are, after having been raped, are being taken to the bush where they will have to serve as sex slaves and will only return once they have been impregnated, once they have become pregnant. Je dois signaler ici que le viol, en fait, comme le recteur l'a dit, c'est une arme qui se commet pratiquement dans tous les conflits. I have to point out that this this arm or this strategy is carried out in almost every conflict. Ça peut être pour un nettoyage ethnique. Et nous avons eu des viols, par exemple, en Bosnie, Kosovo, des viols qui se sont faits au Rwanda ou au Soudan, des viols utilisés comme arme de guerre pour faire un nettoyage ethnique. Often rape is used as a tool for ethnic cleansing. It happens in Bosnia, we've seen it in Kosovo, in Rwanda or in Sudan. Le viol utilisé comme arme dans un conflit économique, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo, où c'est le coltan qui est en fait visé. Mais lorsque vous allez en Colombie, le viol est utilisé également dans les conflits pour le contrôle de cocaïne. If we see it, if we see this rape carried out in the Congo, for instance, it might be for reasons of economic wealth or where coltan is needed or bought, sold. If we look at Latin America, in Colombia, for instance, it is involved in cocaine or drug trade. Mais lorsque vous allez, par exemple, aujourd'hui, en Irak, ou Nigeria, le viol est utilisé pour des motifs comme arme de guerre, mais dans un conflit plutôt religieux. If you look at Iran or Nigeria, Iraq or Nigeria, for instance, you see that this type of rape is also used in religious conflicts. Donc, c'est une arme qui peut être utilisée pour différentes raisons, mais l'objectif est le même. It might be used for different reasons, but always with the same aim. Il est massif en République démocratique du Congo, puisque les femmes qui sont violées dans les villages, ce sont des victimes directes, puisque c'est elles qui subissent le viol. Mais lorsque leurs enfants sont obligés donc d'assister, lorsque le mari est forcé d'assister au viol de son épouse ou la communauté, toutes ces personnes sont traumatisés à leur tour et deviennent des victimes indirectes. Et donc, ça élargit le nombre de personnes qui souffrent. If we look at the cases in the Congo and realize that entire villages are being affected, women become the direct victims, but when their children and their husbands have to assist, the entire community is affected, and so the weapon expands its effect and creates more damage. Ce sont des viols systématiques, puisque ne tiennent par compte ni de l'âge. La plus jeune que j'ai soignée, c'était un bébé de 6 mois, et la femme la plus âgée, elle avait plus de 80 ans. So this kind of weapon doesn't take into consideration age or gender. The youngest victim that I treated was less than under 6 months old, and the oldest victim was older than 80 years. Et en fait, les hommes également sont concernés, puisque dans notre série, les hommes représentent 1%. Men are also affected at a rate of 1%. Quels sont les impacts de ces viols? Lorsque les viols se commettent en public, il y a d'abord l'effet d'humilier, il y a une honte qui est créée, et malheureusement, ce fait d'être stigmatisé dans la société va entraîner à ce que les victimes vont chercher plutôt l'anonymat. Et ici, ce sont les hommes qui partent les premiers, ne supportant pas qu'on les pointe du doigt de n'avoir pas protégé leurs épouses. Ils sont les premiers à partir
et malheureusement les femmes, lorsque ça devient répétitif, quittent aussi le village. If we look at the impacts or the effects that this rape has, when once it's carried out in public, it creates shame and leads to stigmatization. So people tend to look, people tend to want to stay anonymous, and those who leave first or who run away from the issue first are men, because they can't stand that their women are being stigmatized or pointed out to the public. Mais il y a aussi le fait, lorsqu'une femme est violée pour la première ou la deuxième fois dans le même milieu, la tendance sera de quitter le milieu pour aller ailleurs. But also women leave if they have to undergo this rape once or twice, they tend to leave also to escape the situation. Lorsqu'elles sont violées avec une brutalité traumatisante, souvent également, les femmes décident de chercher un environnement détraumatisant. In some cases, when the rape has occurred to an extent that is traumatizing, they will try to find an environment that helps them get rid of their trauma. Vous comprenez que le viol va entraîner un déplacement massif de la population, tout simplement vider des villages entiers pour aller chercher soit l'anonymat, soit la sécurité ailleurs. So you see that this rape has, as a consequence, the displacement or entire villages leaving their places, leaving their homes, and looking for either anonymity or security elsewhere. La deuxième conséquence, c'est la réduction démographique. The second consequence is, of course, lorsque a demographic reduction. Ce viol se fait collectivement et que c'est l'appareil génital de la femme qui est visé. Beaucoup de femmes que nous traitons, par exemple, qui ont subi cette destruction de l'appareil génital, elles sont incapables de pouvoir procréer. If this rape is carried out collectively or to a large extent, and if women's genital parts are mutilated or affected, we treat a lot of women who will be unable to reproduce. Deuxièmement, l'infection VIH est fréquente et cette infection va entraîner tout simplement une mort douce. HIV infection is prevalent also, and well, people will die slowly, but to in large numbers. Mais également créer un réservoir de virus dans la communauté. La femme, si elle n'a pas dénoncé, elle peut continuer à contaminer d'autres personnes dans la communauté. Et donc, c'est comme si, en inoculant le VIH, on permet une distribution de la maladie. Women who get infected will, of course, be likely to spread the virus and affect entire communities. Mais également, il y a une transmission verticale, puisque la femme peut transmettre le VIH à la génération suivante. Transmission not just to her sexual partners, but also to younger generations, of course. La troisième conséquence, c'est la contamination des infections sexuellement transmissibles, comme les chlamydia, qui va tout simplement détruire la capacité de la femme à se reproduire par une réduction de sa fertilité. One other consequence is, of course, contamination with sexually transmitted infections, chlamydia among them, and women will be incapable of reproducing or of having children in the future. Donc, il est clair que, en utilisant cette arme, sans tuer, vous avez entraîné la réduction de la population par le viol. So you haven't really killed anybody, but you've still used the weapon that is very effective in decimating population. Troisième conséquence, c'est la destruction de la capacité donc économique de la population. And a third consequence is, of course, the destruction of the economic capacities of a community. Nous avons observé souvent qu'après ces razzias de viol, on détruit les villages par des incendies, on pille les ressources des paysans, mais également
il y a ces pillages systématiques de matières premières, et l'ensemble de ça va entraîner tout simplement la population à vivre dans une pauvreté extrême. The economic effects are also very destructive when people, after having raped women, will set fire to entire villages and will loot and just deprive people of their natural resources. Extreme poverty will be the consequence. Et enfin, lorsque les viols se font en public avec torture, ce qu'on a observé, les femmes sont dans un état de dissociation totale et souvent, quand elles viennent, elles disent « Depuis qu'on m'a violée, je ne suis plus. Depuis qu'on m'a violée, je n'existe plus. Depuis qu'on m'a violée, on m'a tuée. » Et ça, en fait, c'est une perte d'identité individuelle lorsque la personne ne se reconnaît plus comme être humain. When rape is committed publicly and goes along with torture, a lot of women that we treat, they come to us and they tell us, I am no more, I have lost my identity, I am no longer a human being, so you lose your total your self-respect and your connection to the community. L'exemple, c'est lorsque un père est violé en présence, le père est violé en présence de sa femme et de ses enfants. Souvent, en fait, les hommes développent tout simplement une impotence, et quand vous parlez avec eux, la réponse est de dire « Je ne suis plus un homme ». Et ça, c'est un message qui est très fort, mais lorsque ça atteint plusieurs personnes dans la communauté, le père n'est plus un père, le pasteur d'une église se sent qu'il n'est plus pasteur, le chef du village sent qu'il n'est plus chef à partir du moment où ça s'est passé, ça peut atteindre que toute la communauté est complètement désorganisée et qu'il n'y a plus une identité communautaire. When, for example, a father is violated in front of his family, he might become impotent and tell everybody, I am no longer a man, which sends a strong message. If the same thing happens to a pastor or to a chief, all of them will tell you, I am no longer a man. This will just dissolve or destroy the social fabric of a community. Tout ça, ça vient se compliquer avec les enfants qui naissent issus du viol, qui sont en fait des enfants non désirés, mais qui n'ont pas de filiation dans la communauté, et souvent sont rejetés par le fait qu'ils sont nés de quelqu'un qui a détruit la communauté. En fait, ce manque de filiation et manque d'identité pour ces enfants, à qui on refuse même les noms dans certaines tribus, ça contribue à une perte de la cohésion sociale. And children born of rape face a similar fate because nobody really wants them, since they are children fathered by somebody who destroyed the community. Sometimes they will even refuse to name them, which also contributes to the destruction of the disruption of social fabric. Et là, lorsqu'il n'y a pas de cohésion sociale, ça va de soi, il y a une incapacité organisationnelle, et donc ceux qui commettent ces viols, ils peuvent avoir une autorité sur une population complètement après avoir détruit le tissu social. So if a person has succeeded in completely destroying a social community, they will be able to exert some authority over that community and they will tell them what to do. Et si c'est spécialement utiliser les enfants, les femmes dans les mines, et ça c'est parce que quelqu'un y travaille sans se rendre compte qu'il est esclave puisqu'il n'a plus sa propre identité. And once they have, they can order women or children to work in mines for their personal gain. The social identity gets lost and people just become slaves and objects. Avec ces quatre conséquences, on voit très bien que ce sont les mêmes impacts qu'on peut avoir dans une guerre classique, mais ici c'est une arme moins chère qui est manipulée par de jeunes garçons de 12, 13, 14 ans après seulement avoir
subi un lavage de cerveau et donc facile à utiliser et moins cher. So, rape used as a strategy, it has the same impact or the same effect as a full-blown war might have. It's just much less costly, and perpetrators are often young guys who have been brainwashed, no older than 12 or 13, 14 years of age. Alors, qu'est-ce que nous faisons à Panzi? Le long des années, nous avons développé un modèle de prise en charge holistique qui n'est pas un modèle qu'on a commencé du jour au lendemain. C'est un modèle qui s'est adapté aux besoins des victimes. So when we started developed the holistic care model, it's not something that came to us overnight. It took time, and we just listened to the wishes and the needs of those affected and the victims. Le traitement médical n'était pas suffisant. Medical treatment was insufficient. Nous avons associé une prise en charge psychologique puisque les femmes refusaient de quitter l'hôpital. Elles avaient toujours d'autres plaintes qui n'avaient rien à voir avec leurs plaintes du départ. And we also had to take care of the psychological side of things because women, even after having been treated, refused to leave the hospital. They had other needs. Mais progressivement, nous avions introduit la prise en charge socio-économique et enfin la prise en charge légale pour permettre aux femmes de recouvrer leur dignité. So now, in addition to the medical treatment, we also take care of the socio-economic side and help women to regain their identity. Ce sont les quatre piliers qui constituent notre modèle. There are four pillars that our system rests on. Et en fait, sur le pilier de la prise en charge médicale, nous avons intégré la santé de la reproduction dans le modèle de prise en charge des victimes de violences sexuelles. We included, of course, in the medical treatment, the reproductive health and treated victims of sexual violence to give them. Et désormais, dans notre modèle, nous faisons un certificat médical systématiquement. Qu'il y ait réquisition à médecin ou pas, nous rédigeons un certificat médical puisque par expérience, on se rend compte que lorsqu'une femme est violée, sous le choc, ce n'est pas la justice qui est la priorité. La priorité, c'est de guérir d'abord. Mais c'est après plusieurs, parfois mois ou années, qu'elle revient pour demander à ce qu'on l'accompagne. Et si on n'a pas fait les certificats médicaux légaux, ça devient difficile. We also make sure that we establish a medical certificate because once a woman comes to us and is under shock, legal matters are not the first priority. So we help her set this up and accompany her to take care of legal matters as well after the medical part has been taken care of. Et là, vous avez donc sur le plan de la prise en charge médicale, nous faisons tout ce qu'on fait pour la santé de la reproduction dans le centre de santé. En fait, normal dans mon pays, c'est-à-dire la consultation prénatale, la consultation postnatale, le planning familial, etc. So we basically take care of everything that we would take care of with any patient that comes to us. We make sure that things are taken care of, family planning. Ceci permet aussi de garantir l'anonymat, puisque lorsque les femmes se présentent au centre donc de prise en charge de la santé de la reproduction, on ne peut pas les pointer du doigt qu'elles viennent puisqu'elles ont été violées. Women, we also want to make sure that they can stay anonymous because we don't want them to be, we don't want anybody to point their fingers at people who have been victimized. Les moyens que nous avons, malheureusement, sont limités, mais nous faisons d'abord la prévention de la grossesse non désirée après le viol. The means that we have at our disposition are quite limited, unfortunately, but of course we try to prevent undesired pregnancy after rape has occurred. Nous faisons la prévention du VIH et nous donnons
antirétroviraux pour prévenir le VIH. We try to prevent infections that are sexually transmitted and also HIV infection. Nous faisons la chirurgie des lésions à chaque fois quand les femmes arrivent, et souvent ce sont des lésions génito-urinaires ou digestives basses. We also give surgical treatment as soon as the women arrive if it's necessary. Souvent, lorsque, pour les indications, en fait, lorsque les femmes arrivent avant 72 heures, il est possible de pouvoir leur administrer cette prévention. Lorsqu'elles viennent après 72 heures, malheureusement, nous ne pouvons que faire le traitement. If women arrive at Panzi within 72 hours of a rape having occurred, we can do more than if they come after 72 hours. En fait, pour la prise en charge chirurgicale dans notre service, nous avons traité plus de 3000 enfants avant de commencer à penser qu'on doit quand même être à mesure d'avoir un protocole de prise en charge. When it comes to surgical treatment, after we had treated more than 3,000 kids, it occurred to us that we really have to come to the point where we establish a medical certificate. Et pour faire le protocole, on avait besoin d'une classification. And we had to classify the degrees of rape or the degrees of injuries that occurred. Tous les enfants de moins de 5 ans qui arrivaient et qui avaient tout simplement une abrasion cutanée ou muqueuse étaient classés comme des types 1. Any child under 5 with this type of injury having occurred were classified as type 1. Lorsque les enfants se présentaient avec une donc destruction qui concernait la muqueuse, la peau, mais aussi les muscles, mais les sphincters étaient intacts, c'est des types 2. Type 2 injuries were the ones that left the sphincter intact and had just skin, muscles and mucosal. Et donc dans ces cas, les enfants sont continents sur le plan urinaire et fécal. So there was no incontinence in terms of urinary or fecal. Le type 3, c'est lorsque nous avons les mêmes lésions, mais ici il y a une destruction donc du sphincter et le vagin communique avec le rectum. C'est le type 3 et il y a une incontinence fécale. In case of a fecal incontinence and ruptures, further degrees of destructions, we would classify those injuries as type 3. Le type 4, c'est lorsque nous avons non seulement une communication entre l'appareil génital et le rectum, mais également il y a une perte de mécanisme de clôture de la vessie. Et ça, c'est le type 4. Et là, les enfants viennent avec une incontinence fécale et urinaire. Type 4 injuries are those that leave kids incontinent in terms of urinary and fecal excrements. And those are type 4 injuries. Et le type 5, c'est lorsqu'il y a une perforation du cul de sac de Douglas. Et donc, l'enfant, lors de la pénétration, il y a eu extériorisation donc, des intestins ou de l'épiplomb qui sort. Ça, c'est le type 4. Mais dans notre expérience, lorsque vous avez le type 5 plutôt, vous n'avez pas tout simplement une extériorisation, mais souvent, le choc est tel que la vessie, le rectum sont également atteints. Once organs have been exteriorized or the shock has been so intense that even the bladder broke, this would be a type 5 injury. Et nous avons mis en place la prise en charge de ces lésions que nous avons pu, donc nous avons fait un protocole de prise en charge
que nous avons également publié. Et ce protocole de prise en charge est très intéressant. We have established protocols, health protocols, or treatment protocols, which are quite interesting. You see the various types of injuries that I just spoke of. Pour les types 1 et 2, là où il n'y a pas d'incontinence, parfois les lésions sont très impressionnantes, mais en fait, les enfants nous arrivent après 6 heures ou même plusieurs jours. Ça ne sert à rien de commencer à suturer, puisque tout ce qu'on peut suturer dans les conditions d'infection, ça ne pourra pas tenir et ça fait plutôt souffrir l'enfant. Pour les types 1 et 2, nous faisons la vaccination, nous faisons la prévention du VIH, nous donnons les antibiotiques et nous faisons tout simplement un nettoyage donc local jusqu'à ce que la plaie soit propre et souvent, le traitement peut s'arrêter là. For the type 1 and type 2 injuries where children are not incontinent, they have major lesions and sometimes they come to us after 6 hours or several days and develop infections. We then proceed to vaccinate them and try to prevent HIV infections. We give them antibiotics and try to clean the injury, clean the wounds completely. I mean, pour les types 3, 4 et 5, il faut absolument faire la même préparation, mais il faut restaurer la continuité en réparant les sphincters anales pour les types 3. Les types 4, il faut réparer les sphincters anales et remettre le mécanisme de clôture de la vessie en place. For types 3 to 5, we need major surgery because we have to try to restore several organs that have been destroyed. Pour les types 5, il faut absolument, en plus de réparer les sphincters, faire une celioscopie pour s'assurer qu'il n'y a pas une péritonite ou, en fait, des saletés souvent sont entraînés vers la cavité péritonéale au cours de ces viols et ça peut compliquer la vie après. Donc, il faut faire une bonne toilette péritonéale après la chirurgie. Yeah, for especially for type 5 injuries, we really have to make extensive examinations, take extensive examinations to make sure that complications will not develop and become long-term. Complications. Chez les adultes, nous avons des lésions vulvo-vaginales, des fistules urogénitales et des fistules digestives basses. I think the medical terminology is almost similar in English and French, so let the illustrations speak for themselves, maybe. Et peut-être vous pouvez vous poser la question, comment on peut développer tous ces types de fistules? Souvent, lorsqu'on en parle, les femmes, donc on introduit des corps étrangers au niveau de l'appareil génital, on crée des communications anormales entre les différents organes donc de la femme, entre l'appareil génital et l'appareil urinaire ou l'appareil digestif et l'appareil génital donnant des fistules tel que vous pouvez le voir là, recto-vaginale haute, recto-vaginale basse, mais également des fistules avec l'appareil urinaire. If objects are introduced in the genital organs, it often they often open channels or open ways of communication between various organs that are not supposed to open up to each other, and that creates complications. Mais nous traitons également des fistules qu'on appelle obstétricales. Ce sont des fistules traumatiques, mais nous traitons également des fistules obstétricales qui surviennent souvent chez des mineurs qui ne sont pas capables d'accoucher seuls. We also treat obstetrical fistulas for young people who are not, young women who won't be able to give birth. So there's much to do there as Donc, well. Donc, assez rapidement, nous avons également
publié la prise en charge des fistules recto-vaginales hautes, surtout lorsque ces fistules sont au-dessus donc, du kit-sac de Douglas. Nous avons mis en place un protocole qui permet, en fait, par voie laparoscopique, d'éviter de faire des colostomies et de pouvoir tout simplement traiter la fistule. Et ici, il y a trois stades qu'on traite normalement. We have established protocols, have listed those various injuries so that people will be able to differentiate between the three stages and proceed appropriately. Je crois qu'ils lisent l'anglais. Sur le plan psychologique, notre prise en charge, nous avons essayé d'introduire la santé mentale dans les soins de santé primaire, puisque la santé mentale n'est pas intégrée, malheureusement, dans les soins de santé primaire. Et le schéma que nous proposons, c'est d'aller de la base vers, en fait, le sommet, où on a d'abord, au niveau communautaire, on peut avoir une prise en charge qui est tout simplement de détecter. Au niveau des centres de santé, c'est l'orientation. Au niveau de l'hôpital général de référence, il y a des psychologues qui peuvent traiter. Et lorsque les malades développent des problèmes psychiatriques, on a des psychiatres qui peuvent le prendre en charge. We have also wanted to include mental health in the National Health Service because it hasn't been taken into consideration. So we start from the ground and work up to the top. We make sure that at the community level, people's awareness is raised. We make sure that health centers are there to give people orientation. We also want to include psychologists to give psychiatric care, and also, you know, have the entire personality of a person Donc, assez taken into consideration. Assez rapidement, nous avons une prise en charge qui peut être pendant la phase aiguë, quand la patiente arrive à l'hôpital. Normalement, il faut adresser ses besoins les plus urgents sur le plan psychologique. Et nous avons plusieurs protocoles. Aujourd'hui, j'ai discuté avec des collègues psychologues et psychiatres. Nous avons plusieurs techniques que nous utilisons, mais toutes ces techniques ont besoin d'être évaluées. Well, it's, as I said before, not just the physical part of the injuries, but also the mental or psychological aspects of it. So we have various forms of therapy and various techniques and strategies we've discussed also this afternoon with some of the psychologists and psychiatrists. Pendant la phase aiguë, nous avons également des thérapies qui sont appropriées à long terme. Et ici, je dois dire que spécialement, nous sommes en train d'explorer les thérapies locales, puisque nous considérons quand même que même en Afrique, quand les personnes étaient traumatisées, ils avaient la possibilité de pouvoir surmonter leur trauma. Et l'art thérapie, la musicothérapie, nous explorons également la danse pour voir dans quelle mesure toutes ces thérapies peuvent aider nos malades à pouvoir s'en sortir. We try to administer therapy at a local level so that people will be able to overcome their traumas as quickly as possible. We experiment with musical therapy, art therapy, also behavioral therapy, games and paintings. So, voilà. Notre troisième pilier, c'est la prise en charge socio-économique. Comme je l'avais dit, lorsque les femmes sont traumatisées, elles sont rejetées par leurs époux, rejetées par la communauté. Et la seule façon de retourner dans leur village, c'est leur donner la possibilité de retourner, mais être utile dans la société. So, one very important aspect for us is to help women find their way back into their communities because often, very often, they're rejected. We have to help them be useful and be respected again in the communities.
Les plus jeunes, nous les envoyons à l'école lorsqu'elles ont moins de 18 ans. Nous prenons leur scolarisation en charge, mais les autres adultes qui ont déjà des responsabilités, nous essayons d'utiliser différentes méthodes de prise en charge en fonction de leurs capacités. Soit on les alphabétise d'abord, ou alors on les donne des microcrédits, ou on les associe à des associations villageoises de crédit et d'épargne. When we deal with young people, if they are under 18, we try to send them to school. We take charge of their, care of their school fees. But with young adults and people who are older than teenagers, for instance, we try to give them microcredits or try to help them become productive in their various communities again by helping them gain financial means or activities or activities that generate revenue. Ici, c'est les différentes activités que nous menons à notre maison de transit. So now you have a selection or an idea of the activities that are carried out. We have sewing and basket weaving and other activities. Mais je voulais insister sur les mutuelles de solidarité puisque je trouve que ça, c'est vraiment l'avenir pour retisser le tissu social où les femmes font leurs activités et chaque semaine se retrouvent et mettent une somme d'argent ensemble pour soutenir leurs besoins ultérieurs. One very important aspect or one very important activity here is the system of mutual assistance where women meet once a week and every one of them gives a certain amount of money they put together and then carry out the projects that they want to carry out. Je voulais aussi vous parler de cette activité d'éducation. Depuis 4 ans, nous allons prendre les enfants qui travaillent comme des esclaves dans les mines et nous avons un projet à Kamituga et à Luinja. Ce sont des localisations où il y a des exploitations, spécialement donc de l'or. Et ces enfants, nous les mettons dans des classes qu'on appelle les centres de récupération scolaire. We have children working in mines and gold mines, for instance, or we have children working in other economic contexts where we need to send them to school, actually, also. Et en fait, je crois que ces enfants qui sont utilisés dans les mines ou leur maman, en leur donnant la possibilité d'une éducation, et là, vous pouvez voir que ces enfants mangent aussi à l'école. Et ça, c'est une chose qui me fait très mal, puisque nous tous ici, nous avons des téléphones. Mais ce sont des petits-enfants comme ça qui travaillent pour que nous ayons du coltan. Et malheureusement, ces enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Et rien que leur donner un repas par jour, ce sont des enfants qui restent à l'école et qui même refusent d'aller en vacances. Et là, vraiment, c'est un appel à une responsabilité de tous, puisque nous pouvons changer l'avenir des milliers d'enfants en étant des consommateurs de téléphones responsables. When you look at these pictures and see that these young kids eat at school, it's actually a picture that hurts me because these kids get one meal per day. They work so that we have our telephones and we have our telecommunication gadgets. So this is really an appeal to all of you. Thousands of people, you know, work for us and our comfort. Please keep that in mind. Nous avons également un programme de. Souvent, ce sont des femmes qui sont déplacées et qui se retrouvent à vivre dans des huttes comme ça. Et j'ai rencontré des familles qui ont fait 6 ans, ils n'ont jamais vécu à un seul endroit pendant 6 mois.
Et vivre dans ces conditions, ça veut dire tout simplement qu'en fuyant le village, celle qui avait 5 enfants, quand vous les retrouvez 3-4 ans après, il ne reste plus qu'il y ait peut-être avec les enfants âgés qui peuvent résister, mais tous les autres petits-enfants disparaissent dans ces conditions. Donc nous avons un programme où nous essayons de leur donner des abris où elles peuvent construire elles-mêmes. Nous nous donnons seulement des tôles, des clous pour qu'elles aient leur abri. Et je peux vous dire que je n'ai jamais vu une chose qui fait aussi une fierté d'une femme qu'est d'avoir ses, chez elle lorsqu'elle a toujours été rejetée. When we talk about displaced people, displaced women, they've been living in huts, but many of them, over a period of 6 years, for instance, haven't spent more than 6 months in one place with the number of kids that might have been decimated during the years, over the years also. So now we try to provide them shelter. We try to provide them roofs. We give them nails and material to work, to build their houses, and this is also a reason for much pride to see a woman build her own house and make know that she won't have to be running away for months or years. Une femme m'avait invité un jour à aller manger chez elle, et puis elle m'a dit, docteur, maintenant je suis ici, c'est chez moi. Si un homme m'aime, qu'il vienne vivre chez moi. Les jours où il ne sera pas content, ce n'est plus moi à qui on dira « quitte ma maison », mais c'est lui qui va partir et moi je vais rester chez moi avec mes enfants. Well, one lady invited me for dinner one time, and she told me, now this is my home, this is my place, and if even a man should live with me one day, he will not be the one to tell me, leave here. I will be the one telling him, if you don't like it here, you leave. Nous travaillons également sur le plan légal. Et ici, en fait, c'est un cas que nous avons publié par rapport à la collaboration entre les juristes, les forensiques et tout simplement le corps médical. Comment on peut aboutir à avoir un jugement et soulager les victimes? We've also come to cooperate or take charge or take care of legal matters. We've come to cooperate with legal, medical and forensic personnel because we wanted to come to a point where we could establish protocols and arrive pass judgment. Et là, c'était les enfants de Kavumu. Mais dans cette coopération, nous avons pu faire condamner le chef de milice qui était un député provincial. Mais pendant 5 ans, on s'est battu pour qu'on enlève l'immunité d'un criminel. Mais puisqu'on avait des éléments d'évidence très solides, on y est arrivé. Et aujourd'hui, ces enfants, dans ces villages, on ne viole plus les enfants. In one case, it took us 5 years to prosecute a person or even a group of people, even though we had large amounts of evidence. We succeeded, and now in that area, the children no longer get raped. L'assistance juridique et judiciaire que nous faisons assez rapidement, nous informons les femmes sur leurs droits. Okay, legal assistance consists in informing women of their rights. Et nous leur laissons la liberté de porter plainte ou non. We leave it up to them to take their case to court or not. Lorsqu'elles décident d'aller en justice, normalement, nous les accompagnons devant les tribunaux. If they decide to take their case to court, we accompany them. Nous avons des avocats. We have lawyers. Et souvent, nous pensons que lorsque les femmes vont en justice, ce n'est pas pour la répression seulement.
If women decide to go to court, it's not just for the repression that they suffered. Elles vont en justice, elles nous disent, je vais en justice pour que ma fille ne puisse pas subir ce que j'avais subi. They tell us that they take their case to court because they want their daughters to have better living conditions. Donc lutter contre la non-répétition. They don't want what happened to them to be repeated. La deuxième chose, c'est que les femmes veulent absolument qu'on puisse leur dire ce n'était pas de votre faute. C'est très important. And one thing that's very important is those women want to hear that it was not their fault, that what happened to them wasn't their fault. Et souvent j'ai vu quand on leur donne ces papiers de jugement, elles sont très fières de montrer ça à tout le monde pour dire j'ai gagné et mon bourreau a été condamné. When they finally win their case, they hold the papers, they're very proud because they'll be able to say, this is not my fault, but the perpetrator is the one. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Panzi, nous sommes engagés pour que les rapports mapping qui inventorient 617 crimes de guerre, crimes contre l'humanité, même des crimes qui seraient constitutifs des crimes de génocide que l'ONU a identifiés et que malheureusement, 10 ans après, aucune recommandation par rapport à ces rapports a été mise en œuvre. So we are still very active because this the mapping report has listed over 600 crimes and none of them has been prosecuted, so we still have a long road ahead of us. Voilà. Il faut absolument faire la prévention et ici je vous prive de tous les commentaires, mais je crois pour lutter contre les violences sexuelles, on a besoin de se mobiliser à tous les niveaux, que ce soit au niveau des prêtres, il faut absolument que les religieux s'impliquent, les hommes doivent s'impliquer, puisque la question des violences, ce n'est pas une question des femmes, ce n'est pas une question des féministes, c'est une question qui concerne notre humanité à tous. Et aujourd'hui, nous avons un mouvement des hommes qui veulent tout simplement prêcher par l'exemple, puisque la grande partie des hommes ne violent pas. Mais le grand problème, c'est que lorsque le viol apparaît, il y a une solidarité masculine qui fait que les hommes ne disent rien, et c'est lui qui ne dit mot, donc il accepte. Oui. Given the many levels that we need to engage ourselves in, I can just call on everybody to get involved. Even the church has to get involved. Men have to get involved. Everyone has to do something. Oftentimes, men don't say anything when rape occurs, which means that they support it in a way. We have to raise the awareness, to end this kind of mindset. Là, j'étais parti sensibiliser les chefs de village. Et là, j'ai une très belle histoire. Moi, je la trouve très belle. Dans ces villages, il est interdit à un homme de voir la nudité d'une femme. In this village where I had gone to raise awareness, one thing that struck me was men are not allowed to see women nude. Ce sont des normes sociales. Those are their social norms. Men are not allowed to see women nude. Je peux vous dire que j'avais essayé de créer une maternité où les hommes peuvent venir assister à l'accouchement des femmes. J'avais échoué puisqu'on m'a dit, dans l'expression, on l'appelle ça muzombo. Muzombo, ça veut dire vraiment interdit. Muzombo, interdit, prohibited, you know. So we tried to establish a clinic for women to give birth and have men assist, but they said, no, we can't, it's forbidden to see naked women. Mais dans ces villages, on violait aussi. But rape occurred there too. Et j'avais posé aux hommes, si regarder est grave, au point où quelqu'un qui voit la nudité d'une femme
qui n'est pas sa femme est exclu du village. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui voit et viole, puisque ça c'est plus grave. And I asked the men, if it's so terrible to see a woman without clothes on, if you rape her, isn't that more terrible? Shouldn't you be excluded from your village community also? Et on a commencé la discussion dans la communauté. Les chefs de village ont pris la décision que désormais, le viol devient également muzombo, donc un interdit. Si tu les fais, on t'exclut du village. Okay. Our discussion took us to the point where the village chief said, from now on, raping women is also muzombo, forbidden. Voilà. Nous essayons aujourd'hui de dupliquer notre modèle dans d'autres endroits. Et prochainement, nous allons commencer au Burkina Faso, Conakry, nous avons déjà formé, République centrafricaine, et nous avons même un projet pour l'Irak à Sinjar. So we're working on expanding our project, and you see the four countries that will soon see the Panzi model expanded. Ça, c'est l'extension dans notre pays. Enfin, le modèle holistique de Panzi, c'est un modèle où les patientes arrivent à l'hôpital, mais on ne les prend pas seulement en charge sur le plan médical, mais aussi sur le plan psychologique, sur le plan socio-économique et juridique. Et nous pouvons voir que nos patientes, à la sortie, regagnent leur dignité, deviennent capables de se battre pour elles-mêmes, mais aussi se battre pour leur communauté. Merci. Merci. Thank you very much, Dr. Mukwege, for this very, very, very touching presentation, very touching talk. We have another 20 minutes for questions to Dr. Mukwege. Who wants? We don't have a traveling microphone. Just raise your voice. Yeah? Good. Even though you see, like, that, it's not like it's stopping. People get raped every day. It's like 1 in 3 women will experience sexual violence in their lifetime. So how do you keep your hope? And how do you keep going, even though you see all of this happening all the time? Merci. Je crois que la chose, je dois dire, dans ma carrière comme médecin, la chose qui a été la plus dure, c'est traiter les bébés. Puisque ce sont des innocentes et qui ont droit à une protection dans une société. Mais lorsqu'on franchit cette ligne et de s'attaquer aux petits anges, je crois que pour moi, c'était la chose la plus difficile. Mais je dois dire que ce que j'ai découvert, c'est la force qui est dans les femmes. Et ça, c'est la chose qui m'aide à continuer. J'aurais déjà quitté. Et j'avais même quitté à un moment, puisque c'était très dur. Mais les femmes se sont organisées, elles ont décidé
de me ramener des États-Unis au Congo. Elles sont très pauvres. Elles n'ont pas un dollar par jour pour leur vie. Mais quand j'étais attaqué, ces femmes ont commencé à vendre tous les vendredis les tomates, les oignons. Et elles venaient avec un dollar, un demi-dollar qu'elles déposaient à l'hôpital pour payer les tickets de leur médecin pour que leur médecin revienne. Quand vous avez... Merci. Quand vous avez une solidarité comme ça de la part des gens qui souffrent, vous vous sentez tellement petit que la seule chose que vous pouvez faire, c'est de soutenir ces gens dans leur souffrance. Merci. Can we have quickly the translation? For the non-French speaker. One of the microphones wasn't working, so I was waiting for the microphone. Okay. Well, yes, it is very, very difficult to have to see babies that have been raped, and I just thought I had to take action and do things to help these babies. I was attacked myself, and I gave up at a certain moment because what I saw was so terrible, and then. What gave me hope and what really gave me back my strength was to see the strength that is in all the women who made me come back from the US. They are very poor, they have a dollar a day at their disposition, and they just collected money so that I could pay my my ticket back. And you know, when you face such vast problems, you feel very small, but all you can do is just continue and take strength from the strength that the women give me. The gentleman there in the middle. Stand up. I'm standing up here. Okay. And my question is this. You have spoken, vous avez parlé de notre responsabilité en tant que consommateur de téléphone, de iPhone et tout ça. Merci. The question was, Dr. Mukwege appealed to us as consumers who all have our telephones and who use all the resources that are extracted by children in the Congo. So the lady wanted him to expand on our responsibility as consumers. Je crois que nous tous, je n'ai pas amené mon téléphone, mais nous tous, nous avons une responsabilité. Et nous tous, nous pouvons agir pour que ces enfants retournent à l'école. Nous tous, nous pouvons agir pour que ces femmes ne continuent pas à être traitées comme elles sont traitées. Nous sommes des consommateurs. Et ce qu'ils fabriquent dépend de nous. Si nous disons, nous imposons notre loi aux fabricants, les fabricants vont se soumettre. Et parfois, les gens ont l'impression que c'est difficile. Mais je vais vous donner un exemple. Quand vous aviez pris la décision de ne plus porter les habits fabriqués par les enfants en Asie, c'était un mouvement. Et ce mouvement a changé la situation. Aujourd'hui, tout ce qui utilisait les enfants ont abandonné puisqu'ils ne peuvent pas voir le marché en Europe s'ils ont utilisé les enfants dans la fabrication des habits. Donc il y a des antécédents. Il y a eu le problème des diamants du sang. Vous vous étiez mobilisé en Europe et vous avez fait changer les choses en Sierra Leone, Liberia. Et je pense que, mesdames et messieurs, nous tous, nous avons besoin du téléphone. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer
de cet appareil. Mais nous pouvons demander aux consommateurs de ne pas nous faire participer à cette destruction où la guerre s'est faite sur le corps des femmes. Et pour une simple raison, c'est que lorsque les mines de coltan sont exploitées par les enfants, où les femmes sont utilisées comme elles sont utilisées, on ne paye pas de taxes, on n'a pas de règles pour la production, on produit moins cher puisqu'on peut utiliser des gens comme des esclaves, et nous avons notre téléphone 10%, 20% moins cher. Mais les 10% ou 20% moins cher, ça traduit quoi en termes de souffrance humaine? Moi, je suis prêt à payer 10% plus cher, 10 ou 20 dollars, euros de plus pour mon téléphone, mais que j'ai la conscience tranquille. Est-ce que vous voulez le faire aussi? Nous pouvons faire une campagne et terminer cette question. Merci. We are all responsible. We all can do something to send these kids back to school. We can all prevent women being raped. It depends on us and on our way, on our behavior as consumers. You did a similar thing when you said you didn't want to have cheap clothes fabricated in Asia by children. You did something when you heard that diamonds in Sierra Leone or Liberia were excavated and were called blood diamonds, you know. So tell yourself that you don't want to be part of the destruction. Tell yourself that you don't want to be part of any war that is fought with women's bodies. You know, be aware of the fact that no taxes are paid, no rules are observed when it comes to the production of coltan and under conditions of modern slavery. Just because you want your phone 10 or 20% cheaper, and are you ready to pay those small prices for so much suffering? Switch your mind to a setting where you're ready to pay 10 or 20% more and have a quiet conscience. Okay. Je peux aussi le dire en français, mais je veux quand même demander en anglais. Mais à part ça, avant que je demande, merci que vous êtes ici aujourd'hui pour tout ce que vous faites là. C'est vraiment... Alors, je suis plus que heureux d'être capable de vous demander aujourd'hui la question. In English, I have just to ask, how can we contribute or how can we participate? How can we do more than just acting like the consumer or something? Raising awareness, starting some kind of franchise of what you are doing in Sweden, whatever. So I was thinking, how can we do more, especially for people from Congo? That's what I thought. Je pense que le deuxième point que vous pouvez faire, puisque la guerre au Congo, c'est une guerre économique, c'est connu. Deuxièmement, ceux qui commettent les crimes vivent dans l'impunité totale et ils vivent dans l'opulence extravagante. Pourquoi ne pas vous joindre à nous dans la campagne pour demander à l'ONU d'appliquer les recommandations de son propre rapport, le Mapping Report? Et je vous demande tous d'aller au site du Haut Commissariat aux Nations Unies et vous pouvez chercher Mapping Report République démocratique du Congo et lisez ces rapports. Les femmes ont été enterrées vivantes. D'autres ont été enfermées dans des églises et brûlées, vives. Dans ces rapports, vous allez, quand vous les lisez, vous pouvez vous poser la question, pourquoi l'ONU connaît ceux qui ont commis ces crimes, qui sont des crimes imprescriptibles, mais l'ONU ne les poursuit pas. Alors, joignez-vous à nous et réclamez. Si vous tous ici, vous allez chercher ces rapports et que vous commencez à vous inscrire, nous avons sur les sites des
pain pour le monde, vous allez vous inscrire pour demander à ce que ces rapports soient suivis et que les recommandations soient suivies. Vous aurez fait beaucoup pour les femmes du Congo. Merci. Oui. We have time for one more question. I don't know. Go ahead. We all know that the wars that are fought there are being fought for economic reasons, but the perpetrators are not prosecuted. They live in riches, and now my suggestion is that you join our campaign. You know, ask the UN why the UN doesn't apply the recommendations of its own mapping report. You know, if you read it, you will read about women being burnt alive, being buried alive. Ask yourself and ask the United Nations why they know who perpetrates, who commits these acts and doesn't prosecute them. Sign our appeal, go to the site, and force the UN to put their own recommendations in practice. In the Auf der Webseite von Brot für die Welt gibt es eine Petition, das war dieses Pain pour le Monde. Webseite von Brot für die Welt, kann man die Petition mit unterschreiben. Il a parlé de la pétition qui se trouve sur la page dont il a fait allusion, c'est dont vous avez parlé. Merci, cher professeur, docteur Denis Mukwege. Je suis moi-même congolais. Je ne peux pas exprimer la douleur que j'ai eue en vous entendre encore une fois de plus aujourd'hui. Je suis très fier de vous parce que le pays est devenu vraiment, qu'est-ce que je dirais, la risée de tout le monde. Et vous êtes peut-être le fils qui nous fait vraiment honneur en ces jours. C'est comme ça que je commence par vous remercier très sincèrement. Chers frères, je voudrais encore poser une question. Vous savez que personne ne peut mieux construire que soi-même. Donc, avant même que nous demandions à nos amis, les Allemands ou les Européens, je ne sais pas moi si il y a assez de monde ou bien, enfin, notre population est très mal, je peux dire, très mal informée, même pas tellement instruite. Ben, je ne sais pas si vous faites assez de propagande au niveau du pays même, parce qu'on entend parler de changement, et je ne sais pas de quel changement on parle, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup disent « maintenant, c'est notre tour ». Tour de faire quoi? Je ne sais pas moi, vous le savez mieux. Ma question est, est-ce que nous, de la diaspora, nous avons la facilité ou une façon où nous pouvons vous aider dans la démarche que vous faites? Et si on essaie de vous aider, parce que le moyen, il y en a quand même, est-ce qu'on a la possibilité de vous faire réellement parvenir les choses? Parce que apparemment, ce n'est pas seulement le pays qui est pris en otage, mais il y a encore ceux qui nous dirigent qui, d'une façon ou d'une autre, sont pris en otage par leur entourage. Et je ne sais pas moi, si vous pouvez un peu nous éclairer, comment est-ce que on peut réellement vous aider, et comment est-ce qu'on peut réellement vous faire parvenir la technologie que nous avons appris ailleurs ou le petit moyen financier peut-être qu'on peut avoir. Merci. Well, first of all, the gentleman expressed how honored he was to have Dr. Mukwege here. Dr. Mukwege represents the son who makes everybody proud now of the Congo. And he, if I have understood him correctly, he says that people have been speaking of changes that should occur in the country. He wasn't quite sure what kind of changes people speak of, and he asked himself whether people in the diaspora could help spread the message of Dr. Mukwege and his teams further, because
he wasn't sure whether the country being held hostage and even the leaders being held hostage would be able to put into practice or help Dr. Mukwege in his work more. I don't know if I understood the question correctly. What can we do to help you from the diaspora and elsewhere? Merci beaucoup. D'abord, je dois vous dire que la diaspora congolaise a une population qui souffre le plus. Vu la misère qui se trouve au pays, vous êtes obligés chaque mois de trouver des moyens pour envoyer à des personnes valides pour les faire vivre. Je suis à l'hôpital, je vois tout l'argent que vous envoyez à vos familles pour les faire soigner puisqu'ils ne peuvent pas. Et je crois que vous êtes dans une situation où vous êtes obligé d'agir. Puisque si vos familles au pays peuvent travailler, puisqu'au Congo ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de gouvernance. Et si la gouvernance peut changer, si la gouvernance peut changer, je crois que la diaspora ne va pas m'aider, mais la diaspora va s'aider pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Puisque aujourd'hui, je trouve que c'est très dur pour les parents. Pour un enfant, être en Europe, ça devient très difficile puisqu'il y a les oncles, il y a les tantes, il y a les frères, il y a les sœurs, les cousins des cousins, et tout le monde veut que vous puissiez l'aider. Mais comment vous pouvez le faire? Puisque vous avez vos propres charges. Donc, moi, ce que je vous recommande, vous êtes dans ces pays où il y a la démocratie. Moi, je ne peux pas voyager librement comme vous pouvez le faire. Vous êtes dans ces pays où vous pouvez parler, vous avez des amis que vous pouvez amener à entrer dans cette campagne. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire pour changer la gouvernance. Et je vous donne l'exemple, il y a beaucoup de pays où c'est la diaspora qui a entraîné le changement chez eux. Donc faites quelque chose pour votre pays et pas pour le docteur Mukwege. Merci. Well, I must concede that the Congolese diaspora is really in a difficult situation. They really suffer much because every month relatives want them to send money and help them. So you really have to work a lot because all your relatives expect help from you, but sometimes, or in many cases, it's not just a matter of whether someone is able to work at home. It's a problem of governance. So the diaspora will have to help and change that situation. You know, as you spend time in the European Union or abroad, you have so many relatives waiting for help. Just talk to people around you. Talk while you live in countries where democracy allows you to talk. You know. There are many things you can do to induce a change of government. And when you look at history, there are many countries where the diaspora has really started regime change at home. Thank you. Ladies and gentlemen, we're coming to the end of the evening. I don't know how you saw it. For me, this was one of the most inspiring and fantastic evenings that I've experienced in a long time. Let's give Dr. Mukwege a great round of applause. Please let me also thank Professor Mukwege for being here again. We were very much honored by your presentation, and this is still very moving, and it's great that we could share ideas with you. I would like to thank Professor Borgemeister as a moderator and to our fantastic translator. She did really a fantastic job. So thank you very much. I'd like to
also to thank the people in the background who have organized everything, Frau Dr. Krechel, Frau Höhl, Ansgar Leitzke. I would like to thank Frau Professor Schmitz for being a pacemaker of this interaction. And please, let me also, I would also like to thank you for providing this warm welcome, this fantastic atmosphere. Thank you very much.